Les autorités communales de la ville de Sia et leurs partenaires qui veulent créer les conditions sanitaires de réouverture du marché de Bobo-Dioulasso, avec l'appui de la Société africaine de produits phytosanitaires et d'insecticides, l'opération de désinfection du marché a été lancée le 17 avril dernier. Safito, qui joue ainsi sa partition dans la lutte contre la propagation de la maladie, a également fait un don en nature et en espèces. Hassan Gourabou et Ali Traoré. Les portes du grand marché de Bobo-Dioulasso sont ouvertes ce matin. Pas pour permettre aux commerçants de reprendre leurs activités, mais pour sa désinfection. L'initiative aide la Safito qui entend jouer sa partition dans la lutte contre le Covid-19. Parce que vous vivez en communauté et que quelque chose touche à cette communauté, il faut générer un élan de solidarité qui permette de soutenir l'ensemble des populations et des acteurs de la vie sociale et économique. C'est dans ce sens-là que modestement, nous avons pu apporter ces éléments pour le comité régional. En plus de cette désinfection, Safito remet 10 pulvérisateurs et des combinaisons et un chèque de 2 millions de francs CFA. Cette initiative qui a coûté la somme de 7 500 000 francs est bien appréciée par les autorités communales. Le marché reste l'endroit idéal de tous les regroupements. Et c'est le lieu de tout le monde. Tout le monde y vient, tout le monde y également exerce ses activités. Et donc il était important que on se retrouve ici pour s'assurer de ce que sera cet endroit quand les acteurs vont se regrouper. Puisque nous sommes en train de penser justement à la rouverture des marchés, il fallait qu'on vienne pulvériser. Une ouverture prévue pour le 20 ou le 21 avril prochain en fonction des concertations en cours, rassure Alain Sano. Mais tout dépendra de l'engagement des commerçants. Rien ne fait mal à un commerçant que de fermer son marché. Et nous sommes prêts à tout pour que notre marché soit ouvert. Donc nous sommes prêts à accomplir toutes les mesures nécessaires. Alors s'il ne tient que la santé de la population du marché, en tout cas on est prêts à tout. En rappel, c'est le 30 mars dernier que le grand marché de Bobo-Dioulasso a été fermé pour éviter la propagation de la maladie à coronavirus.